Bonjour à tous et à toutes. Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous proposer aujourd'hui, avant de faire les tirages sentimentaux du 15 au 30 septembre 2021, un petit tirage, ce qui vient à vous dans les 10 jours. On va voir un peu ce qui se présente pour vous avec le tarot et trois oracles. Je vais regarder les énergies pour que ça vous donne des informations. Prenez ce qui résonne pour vous. Bien sûr, ça peut vous parler totalement, comme un petit peu, comme pas du tout. Mais généralement, il y a toujours quelque chose que vous pouvez prendre, qui peut vous parler ou qui peut vous aider, ou vous guider ou vous mettre en garde. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur la chaîne Les Guidances de Shiva. N'hésitez pas à vous abonner, à me soutenir. Il y a des gros blocages sur mes vues, je pense que vous avez vu, hein. Ça reste à 300 vues pour chaque vidéo, ça monte pas du tout, j'ai jamais vu ça. Je les partage sur VK, sur Facebook, je vois 800 vues, 900 vues, 1300 vues, qu'elles soient vues autant, normalement les vues devraient être comptées en plus sur YouTube, elles ne le sont pas, ça devrait se rajouter et ça ne se rajoute absolument pas. Ça reste à 300, c'est super, donc je viens beau blocage magnifique de la, page, de la part de YouTube. Que vous voyez, hein. Si vous comprenez quelque chose, vous pouvez me le dire, j'aimerais bien le savoir. C'est vrai que c'est malheureux, c'est vraiment fait pour démoraliser. C'est toujours comme ça, mais justement, je suis en train de prendre des décisions pour changer de plateforme. Je vous l'ai dit déjà 2-3 fois. Et puis, ce que dit l'autre personne est totalement faux. Donc, si vous voyez qui c'est, qu'elle a laissé dans la communauté, c'est tout faux, hein? tout faux. Elle ne sait pas ce qu'il y a dans la plainte, vu qu'il y a une plainte pénale en cours. Elle dit qu'elle est, elle dit son avis sur cette plainte alors qu'elle n'a rien vu, rien lu. Et puis, c'est juste pour se protéger. Faites attention, ben, elle est vraiment dans le mensonge, cette personne, d'accord? Alors, voilà. Donc, bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, de me soutenir, de commenter ce que va vous dire cette vidéo. Merci beaucoup. On va regarder les énergies avec le tarot. Donc, qu'est-ce qui vient à vous plutôt dans les 10 prochains jours? On va regarder ça au niveau général. Alors, je vais prendre plusieurs cas, je vais en prendre 10. Ce qui vient à vous pour le collectif dans les 10 prochains jours. On entend les goélands, les mouettes. C'est agréable, la mer. J'espère que vous allez bien. Ce qui vient à vous dans les 10 prochains jours pour le collectif. Ce qui vient à vous dans, dans les 10 prochains jours pour le collectif. Alors, je vais prendre 10 cartes et ensuite on va les recouvrir avec différents oracles. Et je vais vous dire ce que je perçois pour vous. Alors, un petit changement d'angle de vue, ce qui vient à vous dans les 10 prochains jours. En plus, on pourrait presque faire un tirage à une carte par jour. Ça, c'est, on va voir, peut-être pourquoi pas. J'aime bien improviser, faire des tirages un petit peu nouveaux. On va déjà regarder ici si vous les voyez. Alors, déjà, on nous parle qu'il va falloir faire des choix pour beaucoup d'entre vous. On est vraiment dans cette période. Hein, pour tous les signes que j'ai faits, regardez les tirages du mois de septembre 2021 du 1 au 15 et du 15 au 30. Le mois est complet. Hein, 1 au 15, 15 au 30. Beaucoup de choix, beaucoup de changements de direction. C'est ce qu'on nous dit ici. Vous avez le chariot, on a l'avancement. On nous dit dans les 10 prochains jours, mais effectivement avec des choix à faire. Pour beaucoup d'entre nous, quel choix je prends? Est-ce que je vais sur le chemin de gauche, le chemin de droite? Et moi, je vous conseillerais d'écouter surtout votre cœur. Votre cœur, c'est celui qui sait. Si vous vous posez la question et vous vous dites, est-ce que je me sens bien là-bas? Et vous avez un ressenti à l'intérieur qui vous fait être mal, c'est une réponse très claire. Tout de suite, c'est non. Hein. À côté, nous avons la tempérance. Donc, on nous dit de ne pas vous presser. On nous dit de patienter. Ces 10 prochains jours pour faire ce choix. On a tout le mois de septembre. Hein. Ce mois de septembre est primordial, important. Les choses se font petit à petit. Vous sentez les changements. Prenez la patience, prenez le temps. Là, on voit l'évolution, la nonne, la femme, la mère. Et ici, vous. Donc, patience, tempérance. Ne prenez pas des décisions à la va-vite. Si, par exemple, moi, je dois faire un choix pour quelque chose, j'ai des idées en tête, mais je ne vais pas encore prendre la décision maintenant. Je vais attendre encore quelques temps avant de me décider, vraiment peser le pour et le contre. Avec la justice, ici, on a un homme à terre où on met une situation effectivement à terre. Ça veut dire qu'on a choisi. On va devoir trancher. La justice, c'est je tranche.
s'il y a plusieurs possibilités, s'il y a plusieurs choix. C'est aussi se décider de couper avec l'ancien, d'enlever ce qui ne va pas. Ça peut être un travail, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une situation avec soi-même qu'on ne désire plus vivre. Essayer d'adapter, hein. Ça peut être vraiment plein de choses, un travail indépendant, un travail fixe, une construction de maison, vivre dans un appartement que vous allez décider de changer et on tranche, on coupe et on prend une décision. Alors, après, en parlant de maison, après, bon, on a la maison Dieu qui est sortie, qui nous dit que il risque d'avoir quelque chose d'inattendu qui peut arriver malgré vos décisions, malgré vos choix. Donc, si par exemple des personnes n'arrivent pas à se choisir, l'univers va choisir pour vous. Donc la maison Dieu peut amener un effondrement, une cassure, une rupture de quelque chose que vous n'arrivez pas à casser par vous-même. Ça vient maison Dieu, donc de l'univers, on dit bien, c'est bien ce nom, hein. Et c'est vraiment la carte où il y a un, voilà, l'éclair, donc qui vient du ciel, c'est ça que je veux vous dire, et qui touche une situation que vous vivez. Si vous ne la gérez pas, vous n'arrivez pas à trancher, ce sera l'extérieur qui le fera. Donc une surprise, un inattendu, pas forcément drôle, mais il vous permettra à faire ce changement. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est pas facile, c'est pas drôle, mais c'est positif parce qu'il vous mènera sur la bonne voie. Là, on est en train de couper dans ces 10 prochains jours, ce mois de septembre, vraiment. Tout ce qui est toxique, négatif, pour beaucoup, faire les choix en résonance avec votre cœur, votre âme, dans tous les domaines. Et c'est très bien, l'univers nous pousse, c'est général, et on aura des bienfaits, un bien-être personnel, une réussite sur ces projets. Donc c'est bien. Quand le choix sera posé, ou si le choix n'arrive pas à être posé par soi-même, ça sera fait par l'univers, qui nous amènera des bénédictions, des réussites, le bien-être, le soleil. On voit avec le magicien ici que vous commencez et qu'on va commencer gentiment une situation dans ces 10 prochains jours. Pour certains, ça va déjà commencer, pour d'autres, pas encore. Ça dépendra, mais on voit qu'il y a l'énergie du commencement. Le battleur, il prépare ses énergies, il prépare ses éléments, il prépare ses outils pour se lancer dans une situation nouvelle. Hein. On a besoin de certaines personnes, on a besoin d'une somme d'argent, on a besoin de matériel, etc. Donc on voit qu'il y a une notion de préparation avec le magicien et puis aussi d'idée de pouvoir créer tout ce que l'on désire. Alors, avec le diable ici, c'est le diable qui est représenté sous la cloche, il y a une idée de soit de manipulation extérieure, soit d'un blocage ou d'une passion. Ici, elle est représentée plutôt par quelqu'un qui vous bloque, qui vous manipule, qui vous empêche d'avancer. C'est possible qu'il y ait des réticences autour de vous ou de la jalousie qui vous empêche d'avancer. Il faudra faire attention à ça, pas vous laisser avoir, pas vous laisser faire. Ou ça peut parler d'une passion que vous désirez réaliser. Parce que dans un autre jeu, ça peut être simplement le diable, un côté passionnel, une passion qu'on veut faire, mais pas qu'elle soit destructrice. D'accord? Donc le diable quand même, ici, voilà, notion de blocage ou de manipulation, je ne sais pas pourquoi elle sort ici, mais il faudra en tenir compte. Oui, il y a effectivement des... Alors, je ne sais pas si c'est des personnes à côté de vous qui ne veulent pas avoir votre changement ou votre réussite, parce qu'on a la lune, donc les choses qui sont cachées, des personnes qui ne disent pas tout, qui ne disent pas la vérité. On ne vous montre pas tout, ou soyez quand même attentifs. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est une énergie extérieure par rapport à vous. Hein. Il y a un changement, mais il y a toujours une espèce d'adversité à côté de vous qui vous ont, comme si vous... On pouvait vous empêcher ou on ne voulait pas vous voir réussir, il y a de la jalousie dans l'air, mais c'est toujours comme ça, ceux qui trouvent leur chemin, ils gênent les autres. Hein. Donc, voyez tout ça, observez tout ça. On a la carte de la force qui est intéressante dans ce jeu parce qu'en fait, c'est notre cerveau qui dit, voilà, j'ai la force,
ça me perturbe quand même tout ça dans ma tête. Donc, vous voyez là, le cerveau perturbé. Donc, je demande la force et l'aide des chérubins. Avec le 8 de l'infini, il y a une certaine fin de cycle. Mais comme je suis un peu perturbée ici par certaines énergies, je fais appel aux anges pour m'aider, pour me donner du courage, me donner de la force et de la persévérance. Et au final, on a la réussite. Donc, ces 10 prochains jours sont vraiment dans cette notion de choix, de démarrage et de réussite à tous les niveaux, malgré quelques obstacles. Il y a toujours ces énergies négatives qui veulent empêcher la lumière, hein, si on peut se permettre de dire ça. Je vais recouvrir ces cartes avec l'oracle des miroirs, ce qui vient à vous dans les 10 jours pour le collectif. Et ensuite, je vais faire les tirages sentimentaux pour tous les signes. Donc, restez bien sur la chaîne, regardez vos tirages. Guidance de Shiva, ce qui vient à vous dans les 10 jours pour le collectif, ce qui vient à vous dans les 10 jours pour le collectif. On va regarder la coupe. Alors, pour certains, un retour d'une situation, c'est possible, hein, peut-être ces problèmes de blocage qui vous met un peu en déprime. Pour d'autres, on nous dit de prendre la hauteur sur une situation et d'observer quelque chose qui a peut-être pas marché ou peut-être quelque chose, voilà, qui va s'effondrer tout seul. Ce ne sera pas votre faute, ça viendra du monde extérieur. Donc, il y a comme une fin pour beaucoup, hein, la semaine prochaine. Mais on est quand même dans l'énergie du choix. On est beaucoup dans l'énergie du choix. N'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite. Alors, sur le chariot, sur la tempérance, sur la justice, sur la tour, sur le soleil, sur le magicien, sur le diable, sur la lune, sur la force et sur l'empereur. Pourquoi on a deux énergies au final qui sont très positives, qui nous parlent de réussite, d'accomplissement de nos désirs, de bonheur, de bien-être, etc. Retour de situation. Oui, c'est possible. Alors, que nous dit-on ici sur le chariot? Pour pouvoir avancer, pour prendre une décision, on nous dit que ce serait bien de vous mettre en groupe, de pouvoir discuter peut-être avec d'autres personnes. Si vous allez vous mettre dans un projet, peut-être parler aux personnes pour demander de l'aide, des conseils, comment ça se passe chez vous, si je viens avec vous pour un nouveau projet de travail, ou si c'est par rapport à une personne, prenez du temps ici, on nous dit réunion, discussion, mettez-vous en groupe pour discuter. Ensuite, par rapport à la tempérance, on nous dit peut-être de patienter avant de recevoir une certaine somme d'argent et du changement. Je dirais qu'il y a une rentrée d'argent, mais peut-être qu'il sera un petit peu moindre, où il vous faudra justement patienter pour recevoir votre salaire, votre revenu face à ce changement de travail ou d'activité. Je sens plutôt ce domaine-là, hein, où il y aura un petit peu moins d'argent qui risque de rentrer. Là, pour trancher, juste pour prendre la bonne décision, on nous dit de prendre de la hauteur. Ce n'est pas partir ici. Cette carte, c'est je prends de la hauteur pour observer avec son télescope et sa boussole pour savoir se diriger. Qu'est-ce que je tranche? Qu'est-ce que je garde? J'observe d'abord de haut et ensuite je prends ma décision. C'est ce que l'on voit ici avec cette carte. Donc, la maison Dieu, oui. Bah, on nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive, on a peur, on se protège. Mais je vous dis, ça ne sert à rien d'avoir peur. S'il y a une fin qui arrive, elle doit se faire. C'est vrai que c'est plus facile si c'est nous qui initions une fin que quand elle nous arrive sur la figure. Mais voilà, vous vous protégerez un peu de ce qui arrive. Vous aurez un peu peur, mais je vous dis, n'ayez pas crainte. N'ayez pas crainte. Tout simplement. Alors, par rapport au soleil, on a l'hérédité. Alors, quelque chose qui peut toucher la famille, ça peut parler d'héritage aussi, ça peut parler de travailler ou de faire un nouveau projet en rapport avec les parents, en rapport avec l'ascendance, les grands-parents, reprendre quelque chose qui vient de nos ancêtres.
Par exemple, vous pouvez avoir un grand-père qui travaillait dans l'écriture, vous allez vous mettre à l'écriture. Souvent, ça saute une génération. Il y a quelque chose en rapport avec l'hérédité qui vient de nos ancêtres, qu'on a quelque chose en nous et qui est important de garder. Et on nous dit que ça peut rapporter aussi des fruits, hein, comme le soleil. Okay? Essayez de voir par rapport à ça si vous désirez changer de voie. Donc, par rapport à ce commencement avec le magicien aussi nous dit on peut créer ce que l'on désire. On a vraiment la magie entre les mains. On peut faire ce que l'on veut. On peut créer, on a les outils, on a préparé. Et en tout cas, on nous assure une réussite par rapport à ce nouveau projet. On nous dit ça va marcher. C'est très bien de pouvoir partir. Donc là, on nous dit, après avec le diable et la lune, qu'il y a une énergie peut-être toxique qu'il faut absolument quitter. On va voir ces cartes qui sont dessus, mais la victoire sur ce renouveau est assurée, ce qui est très très bien. Alors, sur le diable, on a à nouveau la justice. Là, c'est possible que des personnes qui vous en veulent sont encore présentes dans les 10 prochains jours où il y aura un verdict qui va être posé, où vous allez recevoir des réponses de la justice si vous êtes en divorce ou séparation pour les enfants, pour un travail ou autre. Il y a d'adversité, des personnes qui mentent, qui vous manipulent, qui vous trompent. Il y a quelque chose de négatif qui est encore présent, qui sera là. Donc, c'est peut-être le retour de cette situation sur le tapis dans les 10 prochains jours où il y aura un verdict et une réponse qui vous sera donnée. Donc, c'est très bien et ça permettra aussi d'aller de l'avant et de liquider cette situation. Par rapport à la lune, par rapport à ce qui est caché, ben, on nous dit bien, il y a une situation qui nous est étrangère. Une situation qu'on ne comprend pas, une situation qui nous est cachée, même si ça nous parle d'étranger. Je sens ici quelque chose qui nous parle pas, qui ne nous correspond pas. C'est pas nous. Ça nous est totalement étranger ici. Par rapport à la force, nous avons la femme. Donc ça peut être vous. Vous avez ici, chacun entre vous, la force. La femme, donc vous avez le courage, l'endurance, mais on nous dit quand même, demande au guide de t'aider dans cette semaine, je dirais plutôt cette période des 10 prochains jours. Et magnifique par rapport à la réussite, par rapport à l'empereur, nous avons le changement, donc la roue qui tourne, il y a un changement important qui se fait, et voilà, ce qui était difficile va porter ses fruits, ça va tourner vers quelque chose de mieux, de bien, qui va être une réussite pour vous. Alors, à combien de minutes je suis? On va recouvrir ici avec l'oracle du sixième sens pour voir encore un petit peu plus. Où je pense que c'est suffisant. En fait, le tirage est assez clair. Donc, voilà ce qui arrive pour vous pour les 10 prochains jours. Je vous prends un conseil angélique. Je vais prendre un conseil angélique pour chacun. D'accord? Parce que j'ai vu que beaucoup demandent des tirages personnels, les tirages, disons, pour chaque signe, mais c'est long, hein. Je peux pas faire pour chaque tirage, chaque signe. Alors, message angélique pour les 10 prochains jours, pour chaque signe, message angélique pour chaque signe dans les 10 prochains jours. Je vais l'étaler là. Et je vais vous prendre une carte pour chaque signe, écoutez bien. Verseau, votre message nous dit de suivre le flux, de suivre le flot, d'aller avec le courant. Les poissons, on nous dit dans le prochain futur, tout bientôt. Les béliers, on nous dit qu'il y aura de la romance dans l'air. Et je crois qu'on l'avait eu plusieurs fois. Il y a de l'amour, hein, ces temps, pour les béliers. Les taureaux. Ah ben oui, aussi. Taureau, agissez. On ne peut pas rêver. Il faut agir, mettre les choses en place. Sinon, rien ne se réalisera. Les gémeaux. On nous dit un grand oui. Oui, pour ton projet, oui, c'est bien d'agir, oui, c'est bien ce changement. C'est bon, c'est oui. Si vous avez une question, c'est oui. Le cancer, on nous dit écoute ton intuition.
par rapport au choix, par rapport à la direction à prendre. Pour le lion, unlikely, qui n'est pas apprécié, qui n'est pas désiré. Je vous prends une autre carte, je vais la sortir celle-ci parce que je ne la connais pas. Il y a quelque chose de mieux pour vous. Il y a quelque chose de mieux pour vous. Ça vous incite vraiment à cette notion de changement. Quelque chose que les lions doivent changer. Il y a du meilleur pour toi ou il faut faire autrement pour que ce soit mieux. Les vierges, soyez vrai, soyez et affirmez-vous. Ça, on l'a vu aussi. Soyez vrai, montrez votre vrai visage, enlevez votre masque. Les balances, on vous demande de vous renseigner plus sur votre projet, votre changement de vie, demander plus d'informations. Les scorpions, par rapport à une adversité ou autre, vous allez trouver ici des résolutions pacifiques. Les sagittaires, on vous dit ne t'arrête pas en chemin, continue, 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 n'aie pas peur du blocage. Ne t'arrête pas en chemin. Donc là, c'est bien, il y a bien un verdict, une décision de justice face à des personnes qui sont en adversité. Peut-être vous avez porté plainte ou bien vous avez été au prud'homme ou au tribunal. Et au Capricorne, on nous dit, c'est ta décision, c'est toi qui décides, c'est t'as ton libre arbitre. Voilà. Ce qui vient à vous pour les 10 prochains jours, chers amis, j'espère que vous allez apprécier ce tirage et qu'il va vous parler. Merci beaucoup pour vos retours et n'hésitez pas de regarder les messages angéliques pour tous les signes à la fin. Merci pour vos retours à chacun. À bientôt. Au revoir.